Bonjour à toi, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vais attaquer un gros morceau qui est AI Marketing. Faire une seule vidéo, ce serait complètement indigeste. Donc ça va être une série de vidéos pour parler des différents aspects de ce market bot. Aujourd'hui, là, dans cette vidéo, on va simplement évoquer le principe de AI Marketing. Quelle est son utilité et comment ça fonctionne. Pour résumer ce qu'est l'activité d'AI Marketing, moi je l'assimile à de l'affiliation XXL. L'affiliation, on sait tous ce que c'est. Tu rappelles un exemple, tu trouves un produit qui te plaît et qui fonctionne bien. Bon bah tu le vois sur Amazon, il est moins cher qu'ailleurs. Tu te fais référencer chez Amazon, tu prends le lien. Et puis du coup bah après tu essayes de vendre, donc bah soit tu fais une vidéo YouTube, tu mets le lien en dessous, ou tu fais de la diffusion sur les réseaux sociaux, tu mets des posts, ou tu vas dans des forums, dans des discussions, voir si tu es vraiment sûr du produit, tu achètes de la publicité, Google Ads ou autre, et tu fais la promotion avec ton lien, et quand tu vends grâce à ce lien, quand les gens cliquent dessus et que tu vends, bah, tu touches une commission. Voilà. Bah, là, le principe de l'AI Marketing, c'est la même chose, mais à une autre échelle. Donc, AI Marketing, c'est quoi? Bah, c'est un site avec une intelligence artificielle, le MarketBot, qui va diffuser de la publicité en masse pour d'autres sites, des sites e-commerce principalement, donc que l'on appelle ici agrégateur. Donc, c'est une société qui a été créée à Hong Kong par la Wexford Alliance Limited en 2017, et le lancement officiel du site AI Marketing a eu lieu en 2019. Alors, comment ça marche? Le MarketBot analyse en permanence les tendances sur les réseaux sociaux et puis sur les moteurs de recherche, qui voient les requêtes pour trouver les mots-clés qui gagnent en popularité. Et du coup, les produits qui correspondent à ces mots-clés, donc à ces tendances, sont sélectionnés. Et derrière, vous avez une équipe, parce que là, c'est pas le robot qui fait, hein, c'est une équipe d'AI Marketing qui commande des campagnes publicitaires. Donc, par Google Ads, Facebook, Instagram ou d'autres. Hein. Et puis du coup, bah, avec ces campagnes, une fois qu'il y a un achat chez un agrégateur, AI Marketing récupère le cashback, qui peut représenter jusqu'à 15% de la vente. Après, bah, le cashback, il est réparti. 55% pour vous, et 45% pour AI Marketing, dont une partie en fait va dans un fonds de garantie, puisque vous pouvez très bien avoir le client qui renvoie son produit, qui n'est pas satisfait, qui demande à être remboursé. Bah, c'est le fonds de garantie en fait qui va vous verser le cashback. Et puis au-delà de ça, il y a deux autres façons de gagner du cashback. Donc il y a le cashback en ligne, donc là c'est un peu comme d'autres, hein, iGraal et compagnie, où vous achetez sur une plateforme et puis on vous redistribue un cashback. Donc qui peut aller de ce que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes, hein, de 2 à 50%. Bon, ça s'appelle les achats au rabais chez AI Marketing. Quelques exemples, il y a AliExpress qui est à 6,9%. Dans la mode, j'ai vu New Chic à 12%, Shane, ou Shine, je sais pas comment on dit, à 10%. En informatique, il y a du Acer à 5%, du Lenovo à 7%, bon voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Donc il n'y a pas que des sites non plus de renommée internationale qu'on connaît tous, hein. Il y a d'autres sites qu'on connaît pas forcément. Mais donc, il y a une possibilité de cashback par ce biais-là. Et une autre source de cashback, c'est le cashback hors ligne, puisque vous avez aussi une sélection d'enseignes. Alors, si je prends juste l'alimentaire, vous allez trouver Auchan, Carrefour, Lidl, voilà, par exemple. Bon, après, il y a tous les domaines, hein, c'est assez varié. Et là, en fait, le principe, c'est de prendre en photo le ticket de caisse. Hein. Et donc, vous récupérez 1,5%. De cashback par rapport à votre ticket de caisse. Donc autant sur le cashback en ligne, vous avez des délais qui sont très variables, hein, ça peut aller de quelques jours jusqu'à plus de 80 jours. Là, le cashback hors ligne, c'est aux environs d'une quinzaine de jours que c'est distribué. Donc bah, avec tous ces avantages-là, ce que nous promet AI Marketing, c'est un rendement de 30 à 35% mensuel.
donc qui est un rendement qui est juste énorme, hein, si on compare à ce que peut rapporter un plan d'épargne classique. Donc quand on voit ça, on se dit, bon bah allez, on saute. Donc est-ce que vous, vous êtes prêt, pour le grand plongeon, à investir de l'argent pour récupérer ce rendement? Peut-être vous êtes prêt, mais attention, il faut quand même être prudent. Il faut regarder un peu plus loin que ça, puisque la question que tout le monde se pose, hein, depuis que c'est créé, c'est est-ce qu'on n'est pas en face d'un Ponzi? Donc est-ce que c'est pas un système pyramidal? J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu des articles sur des blogs, bon voilà, il n'y a personne qui tranche, en fait personne n'a la réponse à ça. Chacun amène des éléments, dans un sens ou dans un autre. Donc là, bon, je remets simplement les principaux critères que j'ai pu voir, puisque moi-même, j'ai pas la réponse. Moi, je vais pas te dire, vas-y, investis, c'est un placement sûr, ça va te rapporter. J'en sais absolument rien. Moi, j'y ai mis une somme, il y aura d'autres vidéos où je vous montrerai comment ça évolue. Mais j'ai aucune certitude, donc ça peut s'écrouler demain, comme ça peut toujours être là dans 10 ans, et puis du coup, on peut gagner une belle somme d'argent avec le système. Donc je vais pas te dire vas-y ou t'y vas pas, c'est toi qui te fais ton idée, c'est toi qui te dis si c'est fiable ou pas fiable. Voilà, je suis pas un investisseur suffisamment averti pour te donner un avis tranché. Ce que j'ai pu lire ou voir en positif, c'est que il y a deux Frenchies qu'on fait pas mal de vidéos sur le sujet et qu'on crée des choses autour de e-marketing, qui eux ont épluché le code du site. Et en fait, voilà, parce qu'un système de Ponzi, tu peux avoir un système tout à fait classique où bon bah toi tu donnes de l'argent, on te dit que ça va te rapporter 30%, mais ton argent tu sais pour où il va, tu sais pas ce qu'il devient. Et puis bah c'est le fait que toi t'es parrainé d'autres personnes qui vont mettre aussi de l'argent, et c'est cet argent-là en fait qui va revenir chez toi et qui va te servir à te payer, et ainsi de suite. Bon, c'est le système classique et qui fait qu'au bout d'un moment il n'y a plus assez de population sur la planète pour pouvoir couvrir, et ça s'écroule. Que là, il y a un vrai contenu derrière. Donc sur le code du site, ils ont bien retrouvé des identifiants, des publicités, ils ont réussi à le tracer chez l'agrégateur en question, et donc bon voilà, il y a bien un cheminement qui fait qu'on retrouve bien l'idée de la pub chez l'agrégateur, que l'idée du vendeur chez l'agrégateur on le retrouve bien après chez e-marketing. Bon, ça a l'air de faire une boucle, donc visiblement ça fonctionne, et il n'y a pas d'obligation de parrainage. Bon, il y a d'autres systèmes aussi, hein, qui ont été basés sur Ponzi où il n'y avait pas d'obligation, mais ça reste un point positif. À partir du moment où on te dit que tu viens et qu'il faut que tu fasses rentrer des gens, bon là déjà tu prends tes jambes au courant, autour du cou, et puis tu pars en courant, mais avec les gens autour du cou c'est pas facile. Dans les aspects négatifs, c'est basé à Hong Kong. Bon, code recours juridique, c'est pas le plus simple. La société qui a créé iMarketing, donc ça j'ai vu ça dans un blog où le monsieur il montrait les documents officiel de création. Ça appartient à une autre société qui est basée à Chypre. Et cette société, elle a été dissoute en 2012. Alors qu'iMarketing a été créé en 2017. Donc ça paraît curieux. Avec un capital de 1 000 $, je crois. Donc il n'y a franchement pas grand chose dedans. Il y a un monsieur qui est donné, alors j'ai plus son nom. Mais qui, voilà, si c'est lui le dirigeant, si c'est bien identifié comme dirigeant, il vivrait à Chypre. Donc Chypre, qui est un paradis fiscal et qui n'a aucun accord pour extrader ses ressortissants vers l'étranger en cas de procès ou choses comme ça. Donc autant se dire que si demain, si c'est bien ce monsieur-là qui est derrière et il part avec la caisse, bah, il nous restera que nos yeux pour pleurer. Donc il faut vraiment être très prudent, et du coup si tu décides d'y aller, bah, il faut y aller avec une somme que tu es prêt à perdre, parce qu'il faut clairement se dire qu'une fois que tu l'auras mis dedans, tu es sûr de rien. Donc il faut y aller avec une somme que tu es prêt à perdre, et puis bah, vivre l'aventure et voir ce que ça peut te rapporter ou pas, mais surtout à réussir à récupérer ton capital assez rapidement finalement, ne pas remettre tout le temps l'argent dans le robot, mais en ressortir de temps en temps, de manière à récupérer ton capital. Après, si tu tournes qu'avec le cashback et que c'est ça que tu investis, bon, bah, si jamais un jour ça s'écroule, bah, tant pis, c'est du manque à gagner. T'auras pas gagné cet argent-là, mais au moins t'auras rien perdu. Donc voilà, donc si tu décides d'y aller, moi je dis juste, il faut y aller avec prudence et ne pas se jeter à corps perdu dans l'aventure.
Voilà, merci, à bientôt. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, tu peux mettre un petit commentaire, on peut en discuter. Et puis, si tu veux voir la suite, abonne-toi et active la cloche, puisqu'il y aura une série de vidéos sur le sujet. Voilà, à bientôt.